monsieur, madame, monsieur. Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivons ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Uni, mais très différent. Marchons ensemble, dormons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, voilà la madame, qui est attaqué. Voilà la madame, qui n'a pas la langue. Madame, monsieur, madame, monsieur, unis mais très différents. Madame, monsieur, madame, monsieur. Tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Que la fiancée se lève. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne nous perdez pas le temps. Toujours très fort. Et ils sont partis. Ils sont partis. Hey! Hey! Oumou! Donne la main. Donne la main. Hey! Mec! Ils sont partis. Normalement, s'ils ne partaient pas, j'allais les taper. Hein. Non. Merde! Il en est. Tant qu'il y a le chapeau de succession sur ma tête, c'est que le pays va bien. Tout va bien. Hey! Hey! Hein? Hey, non! Ok, après cet événement malheureux, nous allons continuer avec notre cérémonie. Alors, monsieur Piwale, acceptes-tu de prendre pour épouse mademoiselle Mbaga Elundu Passi, de l'aimer, de la chérir et de la respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, madame le maire. Mademoiselle Mbaga Elundu Passi, acceptes-tu de prendre pour époux monsieur Piwale Christian, de l'aimer, de le chérir et de le respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu essayes de dire oui, monsieur le maire, pour épouser Piwale. Tu seras dilaté comme cette œuf.
vois ta fille. Elle est en train de reprendre le scénario du mariage annulé de la dernière fois. Allez, dis oui. Dis oui. Vas-y. Mais mademoiselle, on vous attend là. Oui, madame le maire. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma reine. Rien ne t'arrivera. Tu n'as fait aucun mal à Miranda. Apprête-toi à vivre l'amour fou qui t'attend. Viens, viens, viens t'asseoir avec moi. Voilà. Tu sais, sœur Thérèse, j'apprécie beaucoup ton engagement aux activités de l'Église et même ta foi à servir Dieu. Amen. Je t'ai vu grandir et j'ai beaucoup de respect pour ton père qui est l'un de nos plus grands anciens. Et pour cela, j'aimerais que tu sois plus près de moi. Comment ça? Au début, je n'étais pas sûre que ce soit lui le géniteur. Car avec la déception que j'ai eue avec Arnold, j'étais allée au lit avec un autre homme. Alors sachez-le, il y a de cela 5 ans, j'ai donné la vie. Et ces jumelles que vous voyez, ce sont mes enfants. Ce sont les filles du pasteur Manding. J'ai eu quelques moments de faiblesse avec sœur Émeraude. Et puis quoi? Je vais me repentir. Il ne s'agit pas seulement de la sœur Émeraude. Cet enfant, je l'ai eu avec toi. Et moi, j'attends un enfant de lui. Hey! Cette grossesse que je porte est de lui. Ha patata. Le conseil des anciens t'a destitué. On ne te veut plus ici comme pasteur. Tu es un pêcheur, un malhonnête. Hey, hey, hey. Oh, laisse-moi. Oh, tu peux me laisser tranquille. Voilà maintenant que j'ai perdu mon église que j'ai créée moi-même et qui m'a apporté beaucoup d'argent. Tout ça à cause de toi. C'est toi qui m'as conduit dans le péché. Comment les gens vont me regarder? Il faut que je quitte cette ville, sinon les gens vont me tuer. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas été un bon berger et j'ai conduit ton peuple à la dérive. Mais il faut que je quitte cette ville pour pouvoir me reconvertir et devenir quelqu'un de nouveau. Ah, le grand pasteur prend délai. Dieu va peut-être vous pardonner, mais la justice, non. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassa Douala, non loin du stade Japoma. Vous avez engrossé les femmes d'autrui et même des mineurs. Vous allez faire de la prison. Et quand vous êtes un homme de Dieu qui est censé enseigner la morale, votre peine sera double. Mais notez-le. Levez-vous. Maintenant,
Maintenant que le pasteur a arrêté, il doit faire la prison. Qu'est-ce qu'on doit devenir? Qui doit encore s'occuper de nous? Je te jure, ma soeur. Je vais nourrir mon enfant comment? Partez de là! Qui vous avez envoyé? Bande de pécheresses! Quittez vite devant l'église! Et partez! Vraiment, les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont même pas peur de Dieu. Oh, Seigneur! Mademoiselle Mbaga, mettez cet agneau et dites tout ce que vous voulez à votre chérie. Mon cher Piwede, on a connu des hauts et des bas. Mais tu as fini par me prouver ton amour. Tout l'amour que tu as pour moi. L'amour qui est le gage du mariage. Alors je te remets cette alliance, signe de mon amour indéfectible. Jusqu'à ce que la mort nous si sépare. Près, c'est loin, mais j'aimerais avoir. Monsieur Piwale, mettez cet agneau à votre fiancé et dites-lui tout ce que vous avez dans le cœur. Voici mon essentiel. Avant toute chose, j'aimerais te présenter mes excuses à Mondiovision pour tout le mal que je t'ai fait. Je tiens également à présenter mes excuses à toutes les femmes que j'ai fait souffrir. J'ai été égoïste, calculateur, et j'ai surtout manqué de bon sens. Mes bêtises ont failli me coûter la femme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis devenu un homme. Et c'est en grande partie grâce à toi. Tu m'as appris que l'amour est au-dessus de tout calcul en ce qui concerne un couple. Et je suis tellement heureux aujourd'hui d'épouser une femme au cœur atypique. Et surtout que ce cœur va désormais m'appartenir à jamais. À travers cette alliance que je décide de te mettre, qui est le signe de mon amour profond pour toi, je te promets de toujours te protéger, de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Sors vite! Parti! Monsieur, suivez-nous au poste. Thank you.
Après avoir dit oui à l'un et à l'autre, je commence par le fiancé. Mettez-vous les anneaux. Sophie Paul Abella Loco. Le ciel nous a vu rire. Le ciel nous a vu pleurer. Et c'est sous ce même ciel aujourd'hui que j'ai décidé de te reprendre comme épouse. Une chance que je pense ne pas toujours mériter. Peut-être qu'avec le temps, ça me passera quand j'aurai fait la paix avec ma conscience. Je te promets d'essuyer et de remplacer ces larmes chaque seconde de ma vie par un fou rire. Et Dieu seul sait à quel point tu es tellement belle quand tu ris. Je t'aime, mon ange. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es ma lumière. Tu es l'amour de ma vie, tu es ma confidente, ma meilleure amie, celle pour qui je vis et je respire. Je te mets cette alliance en signe de mon amour éternel pour toi et ma fidélité. Eh oui, ma fidélité. Parce qu'avec l'infidélité, j'ai vu de toutes les couleurs. Et je n'aimerais plus revivre cela. Tu es à moi. Je suis à toi. Et à toi tout seul. Mon amour. Jusqu'à que la mort nous sépare. Dilewane, comme j'aime affectueusement t'appeler. Mon ami, mon frère, mon confident, mon futur époux et mon deuxième père. Je te demande pardon. Pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire depuis le début. Pardon pour cette insolence dont j'ai fait face devant ta famille. Tu es le seul et vrai amour de ma vie. La seule personne avec qui je me sens bien. La seule personne qui arrive à sortir en moi la merveilleuse femme que je suis, le père de mes enfants. Je suis si heureuse aujourd'hui de te réépouser, de redevenir Madame Iwane. Et je te promets de te rester fidèle, de te respecter, de t'aimer, de te chérir dans le bonheur comme dans la maladie, dans la santé comme dans le foirage. Bile Iwane, aucun homme n'est fidèle. Mais fais l'effort. Tu restes mon mari à vie jusqu'à la gare. Voilà, maman. Madame le maire, permettez-moi de dire quelques mots, s'il vous plaît. Allez-y. L'amour est la chose qu'on ne saurait vraiment définir. L'amour est la chose qu'on ne saurait vraiment quantifier. Qu'on ne saurait vraiment mesurer. Et encore plus comprendre. Vous savez, j'ai passé beaucoup d'années avec un homme ici.
Aujourd'hui, on n'est pas divorcés, mais on est séparés. Cet homme m'a tellement blessée. Il m'a tellement humiliée. Mais je ne suis pas saine non plus. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. Je sais que je n'ai pas été une femme parfaite. Mais il y a une chose dont je ne pourrais pas douter. C'est de son amour. Parce que je sais qu'il m'aimera toute sa vie. Et moi aussi, je l'aime. Alors, vu qu'on célèbre l'amour aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'occasion, Austin, pour te dire que je t'aime et je voudrais qu'on se remette ensemble. Si tu le veux bien, bien sûr. La réconciliation, vive le mariage, vive l'amour entre madame et monsieur. Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivons ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Toujours un tiraillement, un amour sous tension, uni mais très différent. Madame, monsieur, oh, uni mais très différent. Marchons ensemble, dormons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, voilà la madame Gueb. Voilà la madame Gueb. Deep.